Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'examen en ce mois d'avril 2024. Il est temps pour moi de faire le point sur moi et sur la chaîne. Et comme d'habitude, je vais d'abord commencer par parler de moi. Alors, qu'en est-il du mois de mars? Eh bien, j'ai terminé pour une grande partie les enseignements que j'avais à donner au sein de l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. Donc, j'avais un cours que je donnais d'algèbre linéaire 1 aux premières années de licence. Et bon, je l'ai terminé il y a très peu de temps. Il faut que je prépare l'examen, bien sûr, mais sinon je l'ai terminé. Et du coup, j'ai un peu plus d'heures de libre. Ça fait plaisir. Je suis content de la forme du cours que j'ai pu donner. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, il sera accessible sur mon site web d'ici très peu de temps. Je vais mettre un lien en description si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil. Je suis assez content de la forme que ça prend. Bien sûr, j'avais pas eu le temps d'aborder beaucoup de choses en 12 heures de cours. Mais je pense avoir abordé l'essentiel et de toute façon j'ai abordé ce qu'il fallait aborder hein, pour le programme d'algèbre linéaire 1 pour ce cours donc. Donc je suis assez content. J'ai aussi terminé pas mal d'heures de TD que j'avais à donner, donc des TD de courbes paramétrées, de probastat et également des TD d'algèbre linéaire 1, ça aussi ça me fait plaisir. Et donc ça fait des heures en moins à faire, donc qui dit heures en moins dit des heures libres et qui dit de heures libres dit heures à réinvestir sur soit de la recherche, soit la chaîne. Donc voilà, ça va être du positif pour les mois à venir. Il me reste encore un TD à donner jusqu'à la fin du mois d'avril en fait. Hein, je vais avoir un TD encore de théorie des nombres à faire pour les deuxièmes années de licence. Et à part ça, on va dire que la vie va être un peu plus belle en tout cas, je pense, j'ose espérer. Et donc, côté recherche, qu'en est-il? Eh bien, côté recherche, ça avance bien. Hein, les discussions que j'ai pu avoir avec les différents groupes de recherche qui se sont formés depuis mon retour de Montréal en début février, eh bien, ça avance. Je suis très content de pouvoir aussi vous confirmer l'écriture d'un nouvel article de recherche avec un camarade avec qui je bosse à Amiens. Donc ça aussi, ça fait un peu plus d'un an presque qu'on bosse sur un sujet particulier. Il y a eu des pauses entre deux parce que on a été assez triste de voir que certains des résultats qu'on cherchait à montrer étaient déjà faits pour ainsi dire et même dans une certaine globalité. Mais on a été content aussi de constater qu'il y avait des choses nouvelles qu'on allait pouvoir apporter et ça s'est confirmé il y a vraiment très peu de temps. Donc je suis très content de pouvoir me lancer dans l'écriture d'un nouvel article. Mais bon, le problème c'est qu'il y a d'autres articles aussi en cours d'écriture. Bon, ça avance petit à petit aussi ces autres articles, notamment un article pour une conférence qui va se faire dans pas longtemps. Il va falloir accélérer un peu le rythme et je vais profiter du mois d'avril qui me promet d'être assez libre en niveau heure de recherche pour pouvoir avancer davantage et j'ose espérer tenir les temps pour que ce soit prêt avant la conférence. Donc notamment en parlant de cette conférence, il s'agit de la conférence Formal Power Series and Algebraic Combinatorics, FPSAC, qui se fera donc à Bochum en Allemagne en juillet 2024. Eh bien, pour cette conférence, j'avais soumis un résumé étendu concernant des travaux qui sont en cours d'écriture, notamment d'articles, et ça avait été accepté pour que j'expose ces recherches sous la forme d'un poster. Donc ça, c'était une chouette nouvelle, et tout récemment, j'ai pu déposer une version finale de l'article qui est accessible sur mon site web également, une version finale, et je pense que ça devrait aller, il n'y a plus trop de problèmes à se poser, et maintenant, va falloir se concentrer à l'écriture, non seulement de l'article qui va avec, hein, parce que va falloir avancer avant la fin juillet, j'ose espérer une semaine avant la fin juillet, hein, et il va falloir aussi avancer dans l'écriture des autres articles, bien sûr, et dans la préparation du poster. En parlant de dépôt, il y a aussi eu des dépôts de candidature, hein, je vous avais parlé en début mars de candidature pour maître de conf et pour postdoc, et bien ça avance, et notamment j'ai pu déposer officiellement des candidatures pour maître de conf, notamment à Lyon, à Versailles, à Calais et à Caen. On verra bien ce que ça donnera. Il est possible que des déplacements se produisent pour que je puisse être auditionné. Normalement, il y a une question d'audition à se faire, mais bon, il va falloir voir aussi si je vais être sélectionné parmi les prétendants pour avoir la place de maître de conf et donc être auditionné officiellement. Hein. Je ne sais pas encore, mais j'ose espérer, hein, on croise les doigts. C'est vrai que dans le fond, j'y crois pas trop à une place de maître de conf, mais bon, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver que des gens qui sortent à peine de doctorat prennent une place en maître de conf, mais c'est quand même assez rare. Sinon, pour la place de postdoc, pareil, à Bochum d'ailleurs, en Allemagne, hein, qui le même endroit où se fera la conférence de combinatoire. J'ai déposé ma candidature il y a vraiment très peu de temps, et je pense que ça aussi, ça promet d'être une bonne chose. Je pense que je devrais être auditionné, et on verra bien aussi par la suite ce que ça donnera, je croise les doigts. J'envisage également d'autres candidatures, des candidatures plus en postdataire,
puisque bon, bah, c'est d'usure hein, en France. Donc je pense soit renouveler une nouvelle année à Amiens, à l'UPJV d'Amiens, on verra bien ce que ça donnera, ou également tenter un poste d'ATER à Paris-Saclay, bon, on verra bien aussi ce que ça donnera, hein. Advienne que pourra, hein, si je puis dire. Bon, d'un point de vue un peu plus personnel cette fois-ci, je vais me permettre d'aborder des choses que j'avais abordées précédemment, notamment ma moitié, la santé de ma moitié. Bah, ça ne s'est pas trop amélioré depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, c'est-à-dire depuis février ou mars, parce que les nodules qu'elle a dans son foie n'ont pas muté, et donc les médecins considèrent qu'il n'est pas urgent qu'elle se fasse opérer, malgré pourtant les tailles des nodules qui sont en jeu, hein, ça se joue vraiment à beaucoup de centimètres hein, dans son foie, et ça pose vraiment des problèmes. Et on avait un choix. Soit elle devait faire des déplacements à Paris pour tenter de se faire opérer, soit bah, il fallait attendre encore quelques mois pour savoir comment vont évoluer ces nodules, est-ce qu'ils vont rétrécir, est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont stagner. Si elles n'ont pas changé de taille, elles devraient se faire opérer. Mais encore une fois, ça reste du conditionnel, je ne sais pas trop ce qu'il en sera. Donc bon, bah, pour l'instant, elle a repris le travail, mais j'avoue que bon, ça n'a pas l'air d'être si facile que ça. Et bon, bah, elle fait avec, on va dire. C'est pas évident, mais pour l'instant, elle fait avec. Et puis, bah, on espère que les choses vont aller dans le bon sens. Un autre truc encore un petit peu plus triste, hein, désolé de saper le moral sur cette vidéo, mais il y a eu un décès, malheureusement, parmi les proches de ma moitié, et donc bah, parmi mes proches, hein, je peux le dire. Et bon, j'avoue que ça m'affecte un petit peu, surtout ces deux derniers jours-là. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et puis, bon, bah, cette personne était déjà assez âgée quand elle est partie. Donc bon voilà, bah, on va dire que c'est naturel, mais j'avoue que voilà, avec un peu de recul, quand on y repense, c'est vrai que c'est difficile de vraiment. Ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir affaire à des décès de proches. Hein, j'ai déjà parlé de mon tonton de cœur, hein, qui malheureusement est parti vraiment trop tôt, lui, hein, vraiment. Il avait qu'une quarantaine d'années quand il est parti. Donc et encore. Et bon voilà, bah, ça fait bizarre quoi, des gens qui disparaissent. Et bah, il faut un peu de temps pour se rendre compte hein, de ce qu'il en est. Hein. C'est presque, enfin, je pense que c'est ce qu'on peut appeler faire son deuil. Donc voilà, bah, c'est comme ça. Alors bon, je pense qu'il va y avoir des moments encore de flottement là dans les prochains jours. Mais j'ose espérer que les choses vont s'améliorer. Et puis bah, voilà quoi, c'est la vie. Hein. Je pense que c'est la vie. Et on repart un peu sur des choses un peu plus gaies. Pour le mois d'avril, pas de déplacement prévu. Peut-être que j'en aurai pour les auditions que j'effectuerai pour les maîtres de conf et éventuellement postdoc. Hein. Ça, je ne sais pas encore ce qu'il en sera. Mais c'est pas impossible que j'ai à me déplacer en avril. Je vais avoir donc plus de temps libre, hein, je vous l'ai dit déjà un peu plus tôt, pour faire de la recherche, mais également pour la chaîne, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis également, je vais effectuer une surveillance pour les concours de CPGE, hein, les concours de classe préparatoire aux grandes écoles. Alors une surveillance secrétaire, hein, donc c'est-à-dire que je vais jouer la main, hein, je vais être la main et pour ainsi dire les yeux, hein, ça dépendra bien sûr de l'handicap de la personne qui sera avec moi, si elle est dyslexique, si elle est autiste. J'ai déjà eu affaire à ce genre de choses, hein. J'ai déjà eu l'occasion de le faire depuis le Covid. En fait, j'ai commencé à faire des surveillances CPGE depuis le Covid. Je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa. Surtout ces missions de secrétariat, je trouve que c'est une bonne chose de permettre à des étudiants de passer des concours, même s'ils ont des difficultés. Je trouve ça cool. Et donc, bah, soit lire la copie pour l'étudiant ou l'étudiante, ou alors éventuellement être sa main, donc carrément écrire la copie pour lui. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'intéressant à faire. Moi, en tout cas, j'aimais bien faire ça. Et bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais je trouve ça très intéressant. Et puis, bah, ça me permettra d'avoir un œil très proche par rapport aux concours qui vont passer d'ici peu, hein, donc en fin avril. Au moins, j'aurai les sujets sous la main, j'ai envie de vous dire, et je pourrai vous proposer des exercices en lien avec ces sujets. Donc, notamment, je ferai secrétaire pour les sujets CCP et les sujets centrales. Bon, ça n'empêche que je jetterai un œil aux autres types de sujets qui tomberont, bien sûr, ENS et mine. Mais voilà, juste pour dire que voilà, j'effectuerai ces quelques surveillances en fin avril. Et je pense que ce sera cool. Hein. Moi, j'ai bien aimé ces différentes expériences que j'ai pu avoir avant. Et bon, bah, on va renouveler ça. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que aussi on va s'organiser pour les déplacements qui vont venir en mai et en juillet. Donc en juillet, je vous l'ai déjà dit, c'est pour la conférence FPSA qui se fera donc à Bochum en Allemagne. Et puis il y aura des déplacements en mai qui se feront à Versailles en mi-mai et à Strasbourg pour différentes conférences en lien avec un projet de recherche qui est en train de se terminer et notamment des bourses en lien avec ce projet de recherche qu'on est en train de dilapider, si je puis dire. Alors bon, je dis « on », c'est pas vraiment moi, hein, c'est plus des étudiants qui travaillent
à Amiens et Versailles, essentiellement, bon, pas que, mais en tout cas, beaucoup de ces étudiants-là qui peuvent avoir une petite main sur cette bourse, bah, ils sont en train de la terminer pour être sûr que, voilà, à la fermeture de cette bourse, qui se fera d'ici très peu de temps d'ailleurs, à la fermeture de cette bourse, bah, au moins les sous ont bien été utilisés en entier. Mais voilà, bah, c'est cool, je trouve ça cool de pouvoir organiser des summer school, hein, donc c'est des écoles d'été, et aussi de pouvoir mettre en place des conférences par rapport à tel ou tel projet de recherche. Donc bon, voilà, bah, je trouve ça cool et je vais y participer, et puis bah voilà, ça va être encore des bons moments à vivre. Bien, maintenant je vais passer à la chaîne. Alors là, j'ai pas mal de choses à vous raconter sur la chaîne. Pour le mois de mars, je suis assez content d'avoir pu maintenir encore une fois un rythme régulier pour les exos et les petits exos de colle. Il y a bien eu un exo de colle et un petit exo de colle qui est sorti chaque semaine. En dehors d'une vidéo d'exo de colle qui a été remplacée par un pêle-mêle, hein, puisque bon, bah, j'avais prévu pour le mois de mars de faire un pêle-mêle. C'est une vidéo anniversaire dans laquelle je fais plusieurs questions, je me pose plusieurs questions, plus ou moins naïves, et je donne des réponses. Ça vous permet de vous alimenter en exemple et en contre-exemple, qui pourront être utiles face à des exercices et vérifier si vous faites les bons raisonnements. Donc ça, je suis très content d'avoir pu proposer une vidéo pêle-mêle. Ça, voilà, c'était pas gagné d'avance, mais je suis content d'avoir pu préparer ça. Et puis il y a eu une vidéo d'une vie de mathématiques quand même qui est sortie. Enfin, hein, ça faisait un moment que je devais sortir cette vidéo de catch. C'était la dernière partie concernant cette deuxième passion qui est le catch pour moi. Donc bon, je suis moyennement content du rendu final de cette vidéo et je me dis que j'y reviendrai probablement plus tard pour refaire une vidéo un peu mieux que ça, que celle qu'on a actuellement. Mais je trouve que cette vidéo rend quand même assez bien compte de ce que ça donne, hein, de ce que c'est en fait pour moi le catch jusqu'à la fin, comment ça s'est terminé pour moi. Et ça reste encore difficile, hein, je l'ai déjà dit dans ces vidéos-là. Mais voilà, je pense que ça rend bien compte en tout cas de ma passion à travers ces trois vidéos de catch. Et voilà, potentiellement je la reprendrai, mais je pense que pour l'instant elle est bien comme elle est. Alors maintenant, sur les vidéos qui sont prévues pour le mois d'avril, eh bien il y en a beaucoup. Je vais commencer par lister les exos de colle, les petits exos de colle qui sont prévus pour le mois d'avril. Il y en a qui sont déjà sortis et il y en a qui vont sortir. Donc dans les vidéos du mois d'avril, il y a l'exo de colle 90 sur la ruine du joueur, un exercice de probabilité assez intéressant. Donc c'est un exercice autour d'un jeu où on a deux joueurs qui jouent à pile ou face, et si la pièce tombe sur pile, alors le joueur A va donner 1 euro au joueur B, et inversement si ça tombe sur face. Et la question, enfin, on joue au jeu jusqu'à ce que l'un des deux joueurs est ruiné, et la question c'est quelle est la probabilité que le joueur A, par exemple celui qui joue avec pile, perd par exemple ou gagne la partie. Donc je trouve que c'est un exercice assez intéressant, et c'est aussi un peu contre-intuitif, surtout quand on joue avec des probabilités qui ne sont pas équilibrées pour la pièce qui est en jeu. Donc je trouve que c'est un exercice très cool, et j'espère que ça vous aura plu parce qu'il est déjà sorti, et si vous l'avez pas encore vu, vous pouvez y accéder bien sûr sur en lien sur la description. Il y aura un petit exo de colle, le petit exo de colle 83 qui sortira le 6 avril. Qui aura pour but de démontrer une condition nécessaire et suffisante sur la commutativité d'un projecteur avec un endomorphisme. Donc je trouve que c'est un chouette exercice, très cool, qui peut se généraliser en dimension finie avec des endomorphismes diagonalisables, hein, j'en ferai mention. Mais voilà, je trouve que c'est un exercice très cool sur les projecteurs, et puis c'est un exercice qui peut très bien s'aborder en première année de classe préparatoire. Bien sûr, c'est mieux d'avoir un peu de recul sur les projecteurs et tout ça, donc c'est peut-être pas à aborder tout de suite si vous êtes en train d'apprendre les espaces vectoriels, mais ça peut être quelque chose à faire à un moment donné quand vous aurez pris un peu de recul, donc peut-être une semaine ou deux semaines après avoir vu le cours sur les espaces vectoriels, en tout cas le premier chapitre sur les espaces vectoriels. Il y a un exo de colle qui sortira également le 9 avril, un exo de colle 91 qui aura pour but de mettre en évidence une identité combinatoire assez intéressante faisant intervenir la fonction de Mobius, un résultat d'arithmétique en fait, hein, c'est à la fois combinatoire et arithmétique, et je vous démontrerai de différentes manières cette identité, donc juste avec de l'arithmétique, et aussi un autre cas où on jouera avec de la combinatoire pour démontrer le résultat. Je trouve que c'est un chouette exercice que j'ai découvert en faisant mes TD de théorie des nombres, et je trouve que ça valait la peine de le partager au plus grand nombre.
Un petit exotcall ensuite, petit exotcall 84 qui sortira le 13 avril. Il s'agira de démontrer le théorème de Fréchet-Risse ou le théorème dit aussi de représentation de Risse. C'est un théorème qui a pour but de dire que n'importe quelle forme linéaire sur un espace préhibertien de dimension finie peut se représenter à l'aide d'un produit scalaire avec un vecteur fixé. Je trouve que c'est un très chouette exercice qui a beaucoup d'applications et on va voir que les prochains exercices qui suivront celui-ci seront des exemples d'applications. Donc un exercice qui suivra, l'exotcall 92, aura pour but d'étudier une famille de vecteurs proches de vecteurs qui forment une base orthonormale. Donc ça c'est un joli exercice qui m'a été proposé il n'y a pas très très longtemps en short, hein, dans les commentaires d'un short. Et cet exercice était proposé dans un cadre plus spécifique en travaillant avec RN et la base canonique. Mais en fait il se trouve qu'on peut vraiment complètement généraliser l'exercice à une base orthonormale sur un espace préhibertien. Et cet exercice, on peut utiliser le théorème de Fréchet-Risse en besoin. Donc bon, bien sûr c'est pas évident tout de suite de se rendre compte que ce théorème est utile, ça demande un petit peu de traduction, c'est un joli exercice à aborder et j'espère que ça vous plaira. Il y a également un petit exotcall qui utilise ce théorème de Fréchet-Risse qui sortira, petit exotcall 85, qui aura pour but de décrire les formes linéaires sur MN2R dans lesquelles on va pouvoir écrire, si j'appelle F la forme linéaire, je veux que f de AB égale f de BA, donc dans lesquels, si je fais les produits de matrices, je peux commuter les matrices qui sont en jeu dans les produits dans lesquels j'évalue mes applications linéaires, mes formes linéaires. Donc là, cet exercice est aussi un exercice qu'on m'a proposé en commentaire d'une vidéo, et je remercie encore une fois la personne, hein, bien sûr, hein, toutes les personnes qui me proposent ces exercices, ça c'est toujours très cool, et cet exercice fait appel aussi à ce théorème de Fréchet-Risse. Donc j'espère que cet exercice vous plaira. On va ensuite aborder un exercice qui va être utile pour un autre exercice de colle qui sortira à la toute fin avril. Exotcall 93 qui sortira le 23 avril, qui aura pour but de démontrer un résultat qui est une version affaiblie de Anne Banard, hein, une version dans laquelle on caractérise en fait le fait d'être dans l'enveloppe convexe d'un ensemble à l'aide du produit scalaire. Donc ça c'est plutôt cool comme exercice, j'espère que ça vous plaira. C'est un exercice qui va être un préambule pour un autre exercice de colle assez important ça faisait longtemps en fait que je devais le faire et j'arrivais pas encore à trouver le temps, donc ça vient et voilà un dernier exercice préambule pour le gros exercice qui viendra en fin avril. Nous avons ensuite le petit exotcall 86 qui sortira le 27 avril, qui a été aussi proposé par un étudiant ou en tout cas quelqu'un dans la chaîne, hein, en commentaire encore une fois d'une vidéo. Et c'est un joli exercice d'arithmétique où on veut montrer que si on prend R, un rationnel positif non nul, eh bien R puissance R est un rationnel si et seulement si R est finalement un entier naturel. Un joli exercice d'arithmétique qui va devoir utiliser d'évaluation péadique. Donc je trouvais ça cool, et comme j'avais lancé quelques exercices d'arithmétique un peu précédemment, donc là notamment l'exotcall 91, et je me suis dit pourquoi pas rester un peu sur cette lancée. Et enfin, pour le mois d'avril, hein, le 30 avril, l'exotcall, et je pense que ce sera le plus gros exotcall qui sera jamais sorti sur la chaîne à mon avis, parce que y a quand même beaucoup de référencements à faire sur les précédents exotcalls et petits exotcalls qui sont sortis, c'est l'exotcall 94 qui aura pour but de décrire l'enveloppe convexe des matrices orthogonales à coefficient réel. Donc ça c'est un très très joli exercice qui m'avait été proposé en commentaire aussi d'un short il y a vraiment longtemps de ça, et dans le but de faire cet exercice j'avais déjà fait beaucoup de petits exotcalls et exotcalls dont j'avais besoin en préambule pour pouvoir attaquer cet exercice. Il me restait essentiellement une version faible de Anne Banard qui sortira donc la semaine précédente. J'espère que je serai enfin capable de vous proposer une preuve de ce joli résultat sur l'enveloppe convexe de ON2R qui peut vraiment servir de développement cette fois-ci pour l'agrégation, mais éventuellement ça peut être très très cool aussi pour les prépas de découvrir comment ça marche le truc et éventuellement de voir aussi comment peuvent s'imbriquer différents gros résultats qu'on a démontrés dans les précédents exotcalls. Je pense que ça va être le plus gros de la chaîne, hein, à mon avis, parce que bon, il y en a eu plusieurs des gros exercices, mais là je pense que ça va être le plus gros en termes de référencement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'exotcalls et petits exotcalls que j'ai fait, donc l'exotcall par exemple sur la décomposition polaire des matrices, l'exotcall, le petit exotcall sur le théorème de Karate-Odori, il va y avoir également l'exotcall, le petit exotcall pardon de Fréchet-Risse qui va être utile encore une fois, il va y avoir l'exotcall sur Anne Banard qui va être utile, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'exercices, hein. Là je vous en ai fait une
un peu une petite liste, mais il y a vraiment beaucoup d'exotcalls et petits exotcalls qui vont être utiles pour résoudre l'exercice sur l'enveloppe convexe et qui vont être très importants d'avoir compris pour pouvoir attaquer ce genre de choses. Bon, il y a d'autres exotcalls qui sont prévus, mais eux, plutôt pour le mois de mai. Il y a un petit exotcall 87 qui sortira donc en début mai, qui aura pour but de étudier une suite définie comme étant des solutions d'une équation particulière. Ici, solution de l'équation x égale tangente x. On va tenter d'étudier son comportement asymptotique en plus infini, et notamment décrire et carrément donner un développement asymptotique de cette suite. Donc ça, je trouve que c'est assez cool aussi comme exercice. Et je donnerai un petit bonus, l'étude de la série des 1 sur xn au carré. Donc en fait, c'était l'énoncé de l'exercice qu'on m'avait envoyé en commentaire, pareil, d'un short, hein, ça aussi. Je remercie la proposition qu'on m'a faite, hein, de cet exercice. Et malheureusement, c'est un exercice un peu trop hors programme. L'exercice consistait non seulement à montrer que la série convergeait, mais aussi à la calculer. Et le problème, c'est que pour la calculer, j'ai besoin de résultats d'analyse complexe. Et l'analyse complexe, c'est pas au programme de classe préparatoire. Bien que j'aimerais bien vous en parler un petit peu, parce qu'il y a quelque chose que je vous ai déjà partagé sur l'analyse complexe que je pourrais réutiliser dans cet exercice et notamment dans ce calcul. Et donc je me dis pourquoi pas quand même l'évoquer et en parler et vous montrer comment on pourrait calculer cette série. Donc je vais quand même le faire, cet exercice, mais ce qui va être plus important pour moi pour la classe prépa, c'est le développement asymptotique de la suite en jeu. Donc voilà, je trouve que ça, c'est un très bel exercice. Il y en a encore d'autres. Alors là, c'est un peu par hasard qu'on me l'a proposé. Donc en exotcol 95, bon, encore une fois, les numérotations sont à prendre avec des pincettes à partir du mois de mai, donc notamment à partir du petit exotcol 87. Donc l'exotcol 95 serait sur un exercice sur des endomorphismes échangeurs. Donc c'est un peu par hasard qu'on me l'a proposé, parce qu'en fait je suis tombé sur un commentaire par rapport à un exotcol, un petit exotcol qui va sortir d'ici peu. Le petit exotcol notamment concernant la commutativité d'un projecteur avec un endomorphisme. Donc dans cet exercice, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, avant même que la vidéo sorte, m'a mis en commentaire, est-ce que c'est en lien avec les endomorphismes échangeurs? Je ne connaissais pas trop cette notion, je suis allé jeter un coup d'œil, je suis tombé sur un sujet qui était tombé en centrale pour les PSI, et je me suis dit, ah bah c'est chouette, on pourrait peut-être faire cet exercice-là, et je me dis, bah voilà, peut-être proposer un exercice autour de ces endomorphismes échangeurs, je trouvais ça cool. Donc ça tombera au mois de mai, pas sûr que ce soit vraiment l'exotcol 95, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ça tombe au mois de mai. Et enfin, un petit exotcol aussi assez cool, beaucoup plus soft, hein, un exercice qui pourra très bien s'aborder en première année de classe préparatoire, qui est d'inverser une matrice, mais de manière assez élégante, hein. Donc on va pas inverser une matrice avec juste du pivot de Gauss, on va inverser une matrice en utilisant notamment un polynôme minimal. Donc ça, je trouve que c'est un joli exercice. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit exercice tout à fait accessible en première année pour changer des exercices élaborés qui seront tombés pendant le mois d'avril. Bon voilà, donc ça c'est la grosse liste d'exercices que j'ai mis en place là il n'y a pas très très longtemps. Et j'espère que là-dedans il y aura du plaisir à trouver pour vous, hein, j'ose espérer. J'aimerais aussi mettre en place, hein, ça c'est une petite idée qui m'est venue aussi par rapport aux exos que je propose, je me dis, comme j'arrive à avoir quand même une grosse liste d'exercices à faire, je me dis pourquoi pas essayer de vous proposer des petits sondages afin de sélectionner quel exercice je vais vous proposer avant les autres. Et donc pourquoi pas essayer de faire des sondages. Donc j'aimerais bien essayer de mettre en place des mini-sondages où vous sélectionnerez parmi une certaine sélection d'exercices, hein, bien sûr, parce que va falloir que je présélectionne d'abord, hein, je ne vais pas m'amuser à vous proposer tous les exercices qui me viennent en tête, mais je vais vous donner une petite liste, genre 3 ou 4 exercices qui me viennent en tête et que j'aimerais bien proposer sur la chaîne, et vous pourrez sélectionner l'exercice qui tombera avant les autres. Je pense que ça pourrait être cool de vous proposer ce côté un peu plus interactif avec vous concernant les choix des exercices. Donc j'aimerais bien essayer de mettre en place ça. Je dis pas que j'y arriverai pour ce mois d'avril, parce que je pense que le planning des exercices est assez précis pour le mois d'avril, mais éventuellement pour le mois de mai, essayer de prévoir des exercices pour le mois de mai et vous en proposer quelques-uns parmi les exercices que j'ai en tête et vous sélectionner celui qui tombera avant les autres. Et ça, je pense que ça peut être très cool. Donc on verra bien si j'arriverai à mettre ça en place et si la sauce prend, hein, parce que c'est bien aussi d'essayer de mettre ces choses en place, mais s'il n'y a pas beaucoup de monde derrière pour répondre, c'est pas très très utile, mais j'espère que la sauce prendra et que cette idée vous plaira. Concernant les autres formats de vidéos, il y a aussi donc des vidéos d'une vie de mathématiques qui sont prévues pour le mois d'avril. Il y a une vidéo qui devrait sortir sur une vie de Montréalais, hein, donc c'est-à-dire une vie à Montréal. J'aimerais bien vous partager un petit peu
comment en fait une personne qui vit à Montréal vit tout simplement, quelles sont les choses agréables à partager concernant la ville de Montréal et éventuellement le Québec en plus, de manière un peu plus générale. Et puis vous partagez les quelques vidéos et images que j'ai pu prendre de Montréal, notamment lors de mon dernier séjour en fin janvier. Donc j'aimerais bien essayer de vous partager un peu ça et vous dire les choses qui peuvent être intéressantes à faire à Montréal et vous montrer les choses qui m'ont beaucoup plu à Montréal et qui ont fait que je suis tombé en amour de cette ville que je trouve vraiment magnifique. Et alors en dehors de cette vidéo, il y a aussi une autre vidéo d'une vie de mathématiques qui serait prévue pour le mois d'avril, qui serait la vidéo sur le doctorat. J'aimerais bien avancer un petit peu sur le doctorat. J'ai fait qu'un épisode sur le doctorat, il est temps d'avancer un petit peu. Donc un deuxième épisode est prévu pour le mois d'avril. Je pense que je vais en faire que deux de vidéos d'une vie de mathématiques pour ce mois-ci. Ça sera déjà pas mal. Si je vais essayer de reprendre un petit rythme des vidéos du jeudi, j'aimerais bien essayer de le reprendre progressivement. Et pour l'instant, j'ai pas envie de me lancer à faire une vidéo par semaine. Si j'arrive pas à le tenir ce rythme, autant essayer de me donner un peu plus de temps pour faire des belles vidéos. Donc pour la vidéo de Montréal, je pense la sortir finalement le 18 avril. Et puis la vidéo du doctorat, éventuellement aux alentours du 30 avril, on verra bien ce que ça donnera. Est-ce qu'il y aura une vidéo de complément pour ce mois-ci? La question reste posée. Peut-être. Peut-être, j'ai quelques idées de vidéos complément. C'est vrai qu'il y a une vidéo complément, ça fait un moment que je devais la faire pour reprendre une vidéo retour sur un petit exotcall que j'avais fait il y a un certain temps. J'aimerais bien le refaire, donc refaire sous un format complément. La question était de se poser si pour n'importe quel entier naturel N, entier naturel non nul, il était possible de donner une suite de réel, une suite de N carré réel, telle que si peu importe le remplacement dans une matrice n fois n, cela me donnera une matrice qui serait inversible. Donc ça, c'était un joli exercice dont j'avais donné une première résolution il y a longtemps maintenant. J'avais ensuite donné une deuxième résolution à la suite de retours que j'ai pu avoir par mail et par message sur cet exercice, que je trouvais ça très cool. Et j'aimerais bien revenir sur cette deuxième vidéo, cette deuxième résolution qui m'avait été proposée de cet exercice et le proposer sous un format complément. Donc ça, ça peut être une idée de complément à faire. Il y avait également une idée de proposer le théorème de D'Alembert-Gauss, d'y revenir et de proposer d'autres preuves du théorème de D'Alembert-Gauss utilisant éventuellement de l'analyse complexe. Donc bon, ça reste à réfléchir, mais pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Ou alors éventuellement un complément sur Anne Banard, puisque bon, comme je vais proposer un exercice qui s'y apparente, pourquoi pas proposer carrément un complément qui rentre vraiment dans le vif du sujet. Bon, ça reste une question à se poser et puis on verra bien ce que ça donnera. Donc bon, je ne sais pas encore si j'en ferai un ce mois-ci. Si j'en fais un, ça sera peut-être autour de ces sujets-là. Si vous avez des idées éventuellement de sujets, pourquoi pas. Je rappelle que l'idée des compléments, c'est de revenir dans de précédents exotcalls ou petits exotcalls que j'aurais fait et d'aller un petit peu plus loin que juste l'exercice que nous avons fait. Et c'est un format qui marche à peu près hein, pour les élèves, notamment pour l'agrégation. Je pense que c'est très utile. Et j'aimerais bien continuer un petit peu ce format pour le mois d'avril. On verra bien. Si c'est pas le mois d'avril, ça sera pour le mois de mai. Mais je pense que je vais essayer d'en proposer un d'ici ces deux mois, ces deux prochains mois. Bon voilà, j'ai terminé de dire les choses concernant la chaîne et à vrai dire, il n'y a pas de FAQ prévu pour aujourd'hui puisque malheureusement, je n'ai pas reçu de questions. Donc on m'a pas vraiment proposé de questions à laquelle je pouvais répondre sur cette vidéo. Donc c'est pas grave, hein, ce n'est que partie remise, hein, on verra ça pour le prochain examen. Et donc encore une fois, je vous invite à m'envoyer vos questions si vous en avez actuellement là à la suite de cette vidéo ou éventuellement à la suite de d'autres vidéos. N'hésitez pas à les poser soit sur moi, soit sur la chaîne, soit éventuellement sur vous si vous avez des questions concernant votre projet hein, d'études, hein, si vous avez des idées de ce que vous voulez faire et que vous vous posez la question est-ce que c'est une bonne chose, ou éventuellement si vous posez la question est-ce que il n'y aurait pas un autre moyen d'atteindre tel ou tel objectif, je pourrais essayer d'y répondre du mieux que je peux et ça serait cool également de partager ce genre de choses au plus grand nombre à travers donc cette FAQ. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant ce numéro d'examen, il fut assez long cette fois. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire donc vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous !